الكتاب الذي نقدمه اليوم هو كتاب دار المغرب في باريس كفضاء للذاكرة. هذا الكتاب يؤرخ لهذه المنشأة المغربية في قلب باريس وفي قلب الحي الجامعي الدولي، وتبين تاريخ 70 سنة من تفاعل وسط هذا الفضاء العالمي ودور طلبة المغاربة في تفاعل الثقافات وتفاعل اللغات وتفاعل الأجناس، وخصوصا الحركة الدائمة لهذه المنشأة من 1953 إلى 2001 كفضاء للذاكرة حي يعطي للمغرب تصورا حول المستقبل وقراءة جديدة لتاريخ المغرب. هذه المؤسسة توقفت للإصلاح في 2002، لم تفتح أبوابها إلا في 2008، ومنذ ذلك الحين تغير طبعها إذ أصبحت منشأة جميلة، وجه جميل للمعمار المغربي وللفن المغربي. لكن المجموعة الطلابية التي كانت تحظى بنوع من التنسيق فيما بينها ومن خلق مغرب وسط هذه الدار انتهت، لأن أصبح الآن هناك نوع من عملي داخل العلماء من الارتباط في فضاءة أخرى. هذا الكتاب باللغة الفرنسية، ستصدر اللغة النسخة العربية بعد سنتين. C'est une excellente initiative. Publication de ce livre qui est un peu la mémoire de la Maison du Maroc. Moi j'ai vécu là-bas depuis 68 et mon fils est né là-bas en 70, c'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est une histoire que j'ai connue de très près, j'étais même dans le comité des résidents puisque j'ai joué un rôle à ce niveau-là aussi, j'ai fait la grève comme c'est signalé dans le livre, et puis je pense que cette Maison du Maroc nous a laissé des souvenirs absolument remarquables. Nous avons rencontré des gens exceptionnels, nous les avons écoutés, des leaders de la gauche marocaine, nous avons fait des grèves, nous avons occupé donc l'ambassade du Maroc et d'autres lieux. Moi, j'étais en train de faire la grève pendant que d'autres occupaient la Maison du Maroc. Mais c'était un mouvement que nous avons vécu avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Moi, je n'étais pas dans un parti quelconque. Même si j'avais des idées de gauche que je continue à avoir, je n'étais pas du tout dans un parti, ni au Parti communiste, ni au parti de l'USFP. Mais j'avais des amis qui étaient dans les deux, même dans l'Idan Amman. Je connais des amis, notamment Safati, Abraham, Rahmo, et d'autres personnes que j'ai connues et qui sont restées mes amis.